j'écris tout le temps, donc je me dis pas là je commence un album ou je suis en permanence en train d'écrire. Il n'y a jamais vraiment d'idée préconçue derrière. J'avais pas envie de faire un album triste et du coup j'avais envie de m'entourer de sons qui soient plus réconfortants pour moi. Et du coup c'est forcément un peu différent du premier album. Mes chansons sont tellement chargées, chaque mot est choisi, pas par hasard. Et du coup ça a rendu le truc hyper émotionnel et hyper évident quoi. De l'album, c'est My Dreams Dictate My Reality. Quand j'ai écrit cette chanson, j'étais dans une période où je faisais beaucoup de rêves qui étaient tellement géniaux par rapport à ce que je vivais dans ma vraie vie que j'avais juste envie de rêver jusqu'à la fin de ma vie.